et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. On est dans la dernière ligne droite de notre Tour de France 2024 des éditeurs de comics et aujourd'hui, on a le plaisir de ravoir avec nous. Alors, de ravoir en termes de podcast, mais c'est en fait c'est la première fois vraiment qu'on va qu'on l'aura sur l'étiquette First Print et c'est incompréhensible. En fait, euh, ouais. avec, avec le recul. Mais bref, Florent. Outré. Voilà, <laughs> Florent, il est outré, mais c'est Florent de Gluten, euh, donc de Bliss Édition. Salut, Florent. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Ah ouais, je vais très très bien. Est-ce que tu ne m'en veux pas trop quand même euh, d'avoir laissé filer le temps comme ça avant de te réinviter euh... Co Comment t'en vouloir Et Puis on avait tellement d'autres, tellement de choses tous les deux euh, aux quatre <laughs> vents que c'est bien enfin qu'on se retrouve après Angoulême 2024. Ouais, tout à fait. C'est un bon moment. Un festival, apparemment, qui s'est très bien passé pour toi. Oui, beaucoup d'émotions, oui. oui. Et parce que justement, bah, ce sera l'un des sujets qui sera abordé avec euh, bah, le grand lancement euh, voilà, d'un éditeur dont on attendait beaucoup de nouvelles en France et dont je me rappelle aussi en off, hein, dont on s'était parlé euh, il y a. Deux ans en fait déjà en fait oui. ça fait ça fait euh, oui bon on y, va, on y reviendra ouais. <laughs> Alors mais justement vu que peut-être qu'il il y a des gens qui nous ont euh, qui nous ont découvert en cours de route, est-ce que tu peux juste un petit peu euh, nous rappeler euh, qui tu es et euh, rappeler un petit peu quand même le parcours éditorial en fait euh, que tu as mené avec euh, avec Bliss. Oui oui oui, ben, euh, je suis Florent et j'ai euh, euh, co-créé euh, Bliss Édition en 2016, enfin fin 2015 et on a commencé à publier au printemps 2016. Euh, d'abord les comics de l'univers Valiant donc l'éditeur américain Valiant parce que j'étais tombé euh, complètement euh, amoureux de leur catalogue et que et que et que je me suis dit que ça pourrait être mon travail et que ça, ça serait chouette et on a fait ça euh, pendant euh, bah, jusqu'à aujourd'hui en fait jusqu'à euh, jusqu'à euh, euh, jusqu fin 2023 où on a euh, on a eu une dernière sortie Valiant en octobre et on aura peut-être, je l'espère, c'est pas entre mes mains, mais d'autres sorties valiantes en 2024, euh, à la fin de l'année. Et, et c'est un peu, c'est un peu ma, c'est un peu mon bateau quoi, que je, je mène euh, au gré, euh, au gré de mes envies et de, et de ma vie, euh, des changements de ma vie. Et du coup, on a fait des projets euh, indépendants au cours de, de ces années. Euh, comme Love is Love par exemple une anthologie euh, caritative ça c'était le premier je crois c'était hein. le premier en 2017 qui sortait en tout cas du du Valiant ouais. euh, le premier titre euh, hors univers Valiant parce qu'on avait vraiment 100% du catalogue qui était dédié à ça de toute façon euh, bah, à l'époque j'étais tout seul à bosser sur l'édito et je sortais 22 ou 23 <laughs> bouquins par an donc c'était un peu n'importe quoi euh, et à force on a fait un petit peu de place pour autre chose on a sorti Kaiju Max et d'autres titres indés euh, d'autres projets indés qui nous tenaient vraiment beaucoup à cœur et à partir de début 2020, euh, on a lancé notre collection jeunesse euh, avec les premiers titres de O'Neill, euh, donc auteuriste néo-zélandaise qu'on qu qu aime beaucoup et qui a vraiment changé la face de, de Bliss vraiment et, et ma vie, euh, je pense à, euh, en général, avec le cercle du Dragon T. Et depuis, on continue de, de publier cet artiste euh, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à même euh, ouais, et, et probablement les années à venir, quoi. Et tu travailles un petit peu de, je dirais, l'étincelle en fait ou le déclic qui t'a mené justement à... Parce que je me rappelle par contre que la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était sur Comics Blog et tu commençais à ouvrir ta ligne éditoriale là-dessus. Ouais. Euh, avec les premiers titres de Kayonil et puis tout, toute cette ligne jeunesse slash young adult ouais. en fait euh, qui qui se développe de plus en plus hein, et maintenant quand on te voit en stand euh, enfin en convention euh, c'est pas juste un bouquin à part t'as vraiment tout un voilà t'as une belle tablée avec c'est même là ce c'est même, même la majorité de mon ouais maintenant cas, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais justement est-ce que tu arrives à, à retracer un petit peu le déclic ou l'étincelle qui t'a fait vraiment te, te pencher plus sur cette euh, littérature euh, illustrée c'est euh, bah je suis devenu papa enfin j'étais déjà j'étais tout jeune papa quand j'ai monté Bliss euh, littéralement euh... On a fait ça au même moment. Euh, C'était deux bébés différents à Voilà, exactement, mais vraiment à un mois d'écart. Et, euh, et en fait, en le, en le voyant grandir, j'avais juste envie de lui de, de, de lire des trucs que, que je trouvais chouettes. Et du coup, ça a été une envie éditoriale de, de faire ça. Et, euh, et je suis vraiment tombé amoureux des, des œuvres de, de Kay quand j'ai découvert le cercle du dragon T euh, T-Dragon Society. Ça va être fin 2018, un truc comme ça, au début 2019, euh, c'était euh, c'était magnifique pour moi comme euh, comme titre, d'une douceur, d'une chaleur, un truc un truc vraiment euh, des ambiances que j'avais jamais vues avant hein, et, et qui pouvait aussi et mon, 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 mon idée aussi c'était de toucher euh, les adultes aussi vraiment que le catalogue jeunesse soit très très ouvert et très inclusif, euh, Que ce soit pas juste ah c'est un truc tout doux euh, tout mignon pour les enfants quoi. Alors c'est tout doux tout mignon, mais alors c'est euh, c'est aussi une bouffée d'air frais, c'est aussi beaucoup de réconfort pour euh, tous les âges en fait, et ça se voit dans mon lectorat, j'ai un lectorat qui, est, qui, a, qui, est, qui a tous les âges littéralement et, euh, et tous les gens, et, et du coup ouais, j'avais cette envie là de, de montrer ça à mon fils, et, et, et ensuite, euh, et ensuite ce, ce truc là est devenu euh, un peu malgré moi, enfin c'est très bizarre de manière très organique aussi beaucoup plus queer. Et oui. euh, même des fois, c'est un peu malgré moi parce que par exemple, Kay, quand j'ai commencé à publier ses œuvres, euh, je savais pas qu'elle était queer. Oui. Et euh, ça s'est fait par la suite et c'est très, très étrange et très étonnant comme parcours. Oui, ça, parce que même sur les, à... sur les dos et les couvertures, c'était euh, un autre prénom en fait. C'était pas oui, juste Kay, c'était. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Elle euh, a fait un coming out pendant que je, que je publiais ses œuvres et. Et après, on a publié d'autres œuvres, d'autres auteurs euh, et, et de manière très organique, ça s'est fait, ça fait comme ça, ouais. Quand tu vrai. les recherches un petit peu ces bouquins, c'est euh, en regardant ce qui sort vraiment euh, bah, dès que ça sort et en contact, euh, j'imagine avec des agents aussi qui te proposent peut-être. Euh, oui, 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 c'est un peu de proche en proche. Je suis, je suis pas, pff, je suis pas à décortiquer les catalogues. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas sorti. 50 titres, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, pour lesquelles on ne sort pas des milliards de titres jeunesse et qu'on signe pas tout et n'importe quoi, si je puis dire. Euh, c'est vraiment de proche en proche et, euh, et en coup de cœur, et je suis assez difficile. Euh, souvent, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que les autoristes se connaissent entre eux et sont potes souvent qu'on qu publie. Donc, Kay connaît euh, Wendy shu, qui connaît très bien Anna Templer. Et de proche en proche, on se rend compte qu'en fait, il y a toute cette communauté de gens qui ont un peu les mêmes vibes ouais. et qui correspondent vraiment aux vibes de Bliss aussi. Et ça, ça se fait assez naturellement, euh, voilà, de de cette manière. Et c'est aussi, euh, on me recommande des titres aussi. Euh, J'ai des, des gens qui sont proches de moi, qui peuvent aussi euh, me recommander des titres, et ça, ça se fait de manière un peu organique. Mais euh, je, je suis très difficile, donc il euh, y a plein de titres que je laisse passer euh, parce que je, je pense pas que je serais capable de les de les défendre correctement et puis on est une petite structure avec un petit distributeur et un petit diffuseur et il faut faire hyper gaffe à ce qu'on sort. Oui, parce que contrairement à, à d'autres structures indépendantes, en tout cas qu'on qu appelle indépendantes chez nous par rapport en fait au, au titre de leur catalogue. Euh, toi c'est vraiment même en termes de structure tu es complètement indépendant il n'y a pas un grand groupe parce que parfois on, on a déjà eu cette discussion notamment avec 404 mm -hmm. avec Nicolas Beaujois qui nous dit à chaque fois de, de bien rappeler qu'il n'est pas indépendant parce qu'il appartient à Editis effectivement oui, il a, il... Vois. Nicolas il a une, une éthique il a trop d'éthique pour son travail <laughs> pour son employeur c'est formidable mais, mais toi par contre non il n'y a pas de groupe derrière euh, c'est la structure elle est à ton nom en fait et, euh, ah et ouais. c'est tout comment ça marche un peu euh, oui, oui c'est ça c'est ça c'est euh, complètement indépendant c'est mon... Mon bateau, hein. euh, s'il si coule, je coule avec quoi <laughs> donc faut faire faut faire gaffe et surtout, surtout ça n'a ça pas toujours été rose et c'est pas euh, difficile, enfin, c'est pas facile tous les jours et on sort quand même de, de plusieurs années très compliquées donc mmh. euh, bah, je voulais, gaffe. je sais pas si je, je voulais en, en parler un petit peu parce que c'était bah, avant qu'on la dernière fois qu'on qu s'en était parlé, c'était justement c'était 2019, euh, ça a été une année qui a été super importante. Euh, pas forcément dans les bons sens du terme mais dans, disons que Valiant c'est en fait c'est à partir de ce moment-là que notamment bah, que ton catalogue principal à l'époque Valiant a commencé à vraiment euh, se casser la figure euh, bah poste le rachat par 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 DMG Entertainment mm -hmm. par le fait que ils ont euh, bah, beaucoup de leurs auteurs phares s'étaient barrés suite au départ mmh. aussi de Dina Shamdanzani et Warren Simons. Mmh. Et puis après, il y a eu 2020. Et 2020, ça a été terrible pour, pour Valiant, quoi. Oui. Et bah, ça s'est répercuté. Euh... Bah, c'est ça. On a, on a, nous, comme on a, on a un, un léger, on avait un léger retard de parution de quelques mois. Hein, on était assez, assez au taquet sur les sorties euh, américaines. Euh, J'ai pu quand même continuer à publier pas mal de choses jusqu'en, jusqu'en 2020. Malgré le, les confinements, etc. Euh, et du coup, c'est arrivé un petit peu en, en, en retard sur nous. Parce que j'avais appris, je crois, en 2018 ou 2019, début 2019. Je me souviens parce qu'on était en tournée, je crois qu'on était avec Matt Kint, euh, ou avec Joshua, je ne sais plus, Enfin, avec, avec un auteur Valiant en début d'année et qu'on a appris sur Internet et tout, on voit les news. Tain, euh, Dinesh, euh, il se barre et tout, il se fait virer de Valiant. Enfin, c'était un, un délire. Quoi. Et effectivement, tout, toutes les équipes créatives, grosso modo, dès qu'ils ont fini leur contrat, leur run, euh, sont, sont partis avec Dinesh, avec Warren Simmons, l'éditeur en chef euh, de l'époque, bah, pour monter Bad Idea, hein, tout simplement. Euh, deux ans plus tard, euh, Bad Idea se lançait. Euh, enfin, trois ans, parce qu'ils ont reporté d'une année euh, à cause du, du Covid. Mais euh, donc, j ai, j ai, on a quand même pu plus, plus voir. Euh, entre guillemets voir venir mais euh, ça a été quand même très très dur pour nous parce qu'éditorialement Valiant s'en est jamais vraiment relevé malheureusement et, euh, et ce qui est assez assez triste c'est que je, je trouve encore des titres qui pour moi sont de qualité euh, à publier chez Valiant euh, moi les derniers trucs je suis assez fier de, des, des derniers titres qu'on a publiés honnêtement ils sont ils sont vraiment bien Book of Shadows est très cool tout le run de Cullen Bunn sur Shadowman est très chouette euh, le dernier run d'Ixomanowar Man euh, et euh, de Denis Oplazes, euh, je le trouve vraiment cool. Il apporte une autre vibe. Il y a en fait, il y a plein de petites choses en germe, mais malheureusement euh, aujourd'hui, alors on ne sait pas ce que l'avenir va nous va nous donner avec euh, avec les les nouvelles euh, leurs nouvelles euh, les nouvelles publications de Alien Books puisque ouais. maintenant Valiant est publié par un autre éditeur américain. Sous un autre label, en fait, disons, bah, ils sous-traitent, en fait, la publication des titres valiantes. Donc, ils vont relancer des titres, et ça, on ne sait pas encore vraiment à quoi, à quoi nous en tenir. Euh, mais pour revenir sur les difficultés, oui, euh, on a vu bah, euh, la qualité des titres baisser, de fait. Euh, quand euh, un Jeff Lemire, un Matt Kint, un Joshua Dysart, un Rob Venditti euh, quittent euh, le navire, euh, voilà, c'est pas forcément facile. Et surtout, un Warren Simmons et un Dinesh qui, euh, qui étaient vraiment les deux piliers euh, en termes de direction créative de l'univers. Ils ont jamais retrouvé ça. Et, euh, et nous, ça a aussi coïncidé avec euh, euh, le Covid, euh, les difficultés financières pour tout le monde. Euh, je parle des lecteuristes, c'est très compliqué. Euh, du, du marché du comics qui a connu un, un, petit, un genre de petit âge d'or. Euh, parce que tout le monde s'est mis dessus, Urban a débarqué, enfin voilà, tout, tout l'âge d'or qui a débuté euh, il y a une dizaine d'années, une de ouais. 10, 12 ans quoi. Ouais, c'est en 2012-2013. Euh... Euh, et moi je faisais partie de cette vague là, de se dire ouais. ah, c'est possible de faire sa place là-dedans. Et, et là on a réalisé que en fait euh, Valiant c'était pas, à part un une petite communauté de fans qu'on remercie de ouf parce que sans, sans eux et sans nos campagnes de précommande sur euh, financement participatif on pourrait ça fait trois ans qu'on pourrait plus publier Valiant très clairement euh, à part à part ces, cette petite communauté de, de, de fans euh, ben, euh, beaucoup de lectoristes en fait ont des priorités et euh, ils achètent euh, d'abord leur Batman, leur truc, enfin tel truc, puis il y a aussi euh, une autre concurrence, je veux dire, il y a l'arrivée de 404, il y a l'arrivée de plein de gens, il y a eu High Comics aussi, qui est arrivé euh, quelques années plus tard. Euh, les gens n'avaient plus les, les moyens, et nous, en plus, avec euh, la baisse des tirages, avec euh, l'inflation, euh, la, la crise du papier d'il y a 2-3 ans, euh, dont, dont le marché s'est pas tout à fait remis, mais ça dépend des endroits, bref... Euh, avec ça euh, on a dû augmenter les prix et donc ça, ça resserre encore plus le budget des gens, Enfin, c'est un cercle vicieux c'est très compliqué euh, et, et là où on voit que l'intérêt euh, il est encore euh, là, c'est que bah, on, a, on a fait des, des braderies parce qu'on a sorti de notre catalogue pas mal de titres valiantes qui, bah, qui étaient sortis depuis plusieurs années, on avait, il nous restait un peu de stock c'est pas des titres qui ont une vie ils n'ont plus vraiment de vie euh, en, en librairie euh, les, il n'y a plus tellement de flux et on s'est dit bon bah c'est l'occasion euh, le stock ça coûte cher euh, on, va, on va les brader et euh, ça a cartonné on en a fait une euh, en 2022 on en a refait une à la rentrée 2023 euh, on a vendu euh, quelque chose comme 4000, 4000 bouquins euh, <laughs> euh, juste sur Ulule à nous tout seul euh, parce que les livres étaient, étaient bradés à, ma, à moitié prix euh, donc les gens ils, et, et les gens vraiment prenaient euh, avec avidité beaucoup de titres à découvrir vraiment et nous commentaient et nous écrivaient en disant super j'ai enfin pouvoir découvrir plein de gens qui ont acheté des centaines de bouquins, des ouais. gens qui ont fait des commandes de 250 balles avec 40 livres dedans quoi. <laughs> C'est une folie. Donc il y a vraiment, il y, a, y a vraiment un truc, mais euh, le marché était bouché quoi. C'est très, très compliqué. Le comics, euh, comme on l'a connu euh, 2000, 2014, 2015, 2017, euh, tout ça, c est, c est, oui. ça devient difficile. Les libraires ont plus trop d'espace euh, pour ça. Et heureusement, il y, y a des gens comme, bah, comme Nicolas, euh, comme comme Sullivan et tout, qui ont qui ont fait des trucs, qui ont qui ont poussé aussi les libraires quand même à maintenir un, un truc euh, un, un espace pour ces pour ces titres-là. Aussi en les hybridant aussi un peu en termes de marketing, ils sont quand même plus hybrides. Ouais. Euh, et le problème de Valiant, c'est que c'était même si moi <laughs> je voulais le marketer comme ça, c'est difficile en librairie euh, de le faire passer pour autre chose que du comics mainstream de super héros. Si ouais. c'est du super héros un peu différent. Euh, tous mes efforts euh, n'ont pas pu payer pour, euh, pour, euh, pour dire aux gens, dire aux pros, dire aux libraires, c'est pas exactement comme ce que vous connaissez, quoi, comme ouais. super héros. Puis après, il y a aussi eu un truc sur lequel euh, bah, euh, ni toi, euh, ni personne, en fait, ne pouvait avoir de, euh, de contrôle, c'est le fait que, euh, on se rappelle très bien aussi, que l'idée aussi de pouvoir ramener euh, Valiant en France, c'est parce qu'à l'époque, il y avait aussi un. Un, un espoir d'avoir une vraie machine médiatique derrière en fait exactement ce média et ben on s'est retrouvé <laughs> en, en plus te, en plus pour toi c'était vraiment euh, genre euh, euh, genre le mauvais coup du sort c'est-à-dire que euh, le, le film Bloodshot qui était quand même censé porter cet univers euh, bon on va même pas parler de sa qualité parce que sinon on, on va pas refaire deux podcasts dessus. Mais il arrive une semaine avant euh, la, le confinement généralisé. Oui, en difficile. France, il n'a même pas eu de sortie au cinéma. Il arrive directement sur Prime Video. Euh, à tous les points de vue, en fait, tout, tout l'entreprise euh, de, de Valiant, mmh. en fait, pour conquérir un nouveau public, euh, c'est prise. Euh, euh, un, un coup du destin absolument euh, terrible quoi oui c'est 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 terrible c'est terrible parce que c'est des, des choses t avais, t avais, enfin je te, je, je te laisse pour ça mais toi t'avais les bouquins en fait qui étaient prêts à sortir en librairie ouais, mais ouais. du coup les librairies qui ferment enfin tous tes bouquins là qui oui, sont oui, stoppés j'ai eu, eu des dizaines de milliers d'euros de commandes annulées euh, j'ai des stocks euh, de milliers de bouquins euh, qui me restent sur les bras parce que euh, ben j'ai eu des commandes annulées par des gros groupes euh, qu'on ne pas euh, qui ont un poids tel que ben ils ne peuvent pas euh, Enfin, on peut pas leur dire non, quoi. Ouais. Euh, donc, avec des pertes sèches euh, catastrophiques, euh, j'ai cru. Enfin, euh, j'ai à ce moment-là, quand il y a eu le confinement, j'ai fait, j'arrête de travailler. Ouais. Ah, on est confiné. Mince. Bon, bah, on met tout en pause. Allez, chômage, euh, chômage. On se met au chômage. On arrête. Euh, on réfléchira plus tard. Ouais. <laughs> C'était, euh, je pouvais pas euh, cope avec, euh, avec tout ça quoi. Ouais, ouais. C'était. Euh... Ça faisait trop de données à enregistrer. En C'était un délire. Euh... C'était ouais. notre plus gros lancement. Valiant. On avait vraiment investi euh, énormément. On avait réimprimé des titres. On avait des intégrales. On avait du Jet Lemire, On avait des trucs super. On avait des bandeaux sur les bouquins avec le avec le film. Et à la limite, je, je me foutais que le film soit euh, soit bien ou pas. Euh, dans tous les cas, ça aurait été une série B. Euh, un peu sympa à regarder au, au pire du pire c'est une série B un peu sympa à regarder et, et vite oublié mais n'empêche que y a Vin Diesel sur la sur l'affiche quoi et moi avoir des 4 par 3 dans le métro avec Vin Diesel qui marquait bloodshot je veux dire c'est un un pouvoir de communication ouais. formidable je dis pas que ça va sauver le marché du comics hein. les, les 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 films Marvel n'ont jamais réussi à faire ça oui, mais à mon échelle à mon échelle oui, ça, ça aurait me fait me... un truc quand même ça aurait fait, ça aurait eu un effet ouais. euh, et puis on avait des partenariats on avait euh, qui était mis en place euh, pour des mises en avant euh, liées euh, euh, lié, lié bouquins et films enfin c'était et, euh, et tout ces patatras quoi c'est vraiment <laughs> incroyable parce que le le, le le film en plus a été reporté plusieurs fois euh, et il a été une, reporté une ultime fois il devait sortir en janvier ouais. et Sony l'a reporté une ultime fois à euh, début mars euh, fin février début mars du coup, il a il est sorti dans quelques pays pendant dix jours. Ouais, il a eu il a eu droit je crois à une semaine même pas ouais, aux États-Unis euh, avant le, le coup près. Ouais. Et, euh, et il sortait le euh, il sortait le comme maintenant il y a aussi des films qui sortent le vendredi, bah il sortait le il devait sortir le vendredi du confinement en fait en France. Non, le enfin le, le mercredi, mercredi du, du coup, ouais, le mercredi il oui, sortait le mercredi du confinement. Ouais, genre. un truc comme ça, ouais. C'était un mercredi, je sais plus le jour, mais vrai. Bref, en, en gros, il n'a jamais vu euh, les, le non. personne l'a vu au ciné euh, ça. en France, c'est un délire. Oui, bah, c'est une vieille histoire, mais c'est vrai que on... c'est là que les, les ennuis ont commencé pour nous, très honnêtement. Euh, et heureusement que la même année on commençait à sortir les titres de Ka'Neal, en vrai. Ouais. Qu'on a lancé notre catalogue jeunesse. C'est ce qui m'a fait tenir honnêtement euh, euh, financièrement, d'une part, bien sûr, mais aussi euh, et surtout euh, moralement, euh, psychologiquement. Je veux dire, j'étais effondré euh, par euh, le Covid, par euh, les mes ventes. Euh, je, je me voilais un peu la face sur, euh, sur des titres qui ne qui marchaient pas. Euh, qui... ça en était quasiment. Euh, on était vraiment sur la pente descendante sur le catalogue Valiant. Euh, euh, et puis ouais, puis après et comment tu as f... relever, quoi. Ouais, et comment tu fais enfin, c'est là aussi où as... On, on avait noté hein, que. Que tu en fait, es, es passé directement aussi par rapport à ces problématiques d'un du, du, marché ou de librairies qui ne peuvent pas tout, euh, tout englober, en fait, qui n'arrivent pas à tout recevoir, ou tu es passé par cette stratégie maintenant que tu as adopté pour Bliss euh, de faire en fait, de la précommande, de la prévente systématique en fait, euh, sur, euh, sur Ulule quoi. Bah En tout cas, sur, euh, sur les titres jeunesse et sur les titres valiantes, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et sur l'indé, quand on a le droit de le faire, quand on peut le faire, on le fait, ça. Euh, oui, c'était, euh, c'était nécessaire, nécessaire pour nous. Tu peux un euh, peu expliquer juste euh, le oui, mé bah mécanique? Commencé, on avait commencé en 2019 avec euh, le Archer and Armstrong de Barry Windsor-Smith. Ouais, ça c'était euh, aussi, ouais, les, les variantes classiques en gros. Voilà, du Valiant Old School, donc le, du premier univers des années 90, où il y a quand même des pépites, il y a des titres vraiment très bons, ou en tout cas très atypiques, il y a des trucs. T'as lu nulle par ailleurs en termes de comics euh, mainstream. Puis avec des très grands noms, quoi. on parle de David Lafamme. Ouais, euh, ouais, David de... Lafamme, Jim Shooter, euh, bah, Winsor Smith. Euh, euh, donc, euh, donc on avait lancé ça parce que c'était très compliqué de faire du, du patrimonial en librairie. Déjà faire du Valiant en librairie, c'est difficile, ouais, mais alors faire vrai, du Valiant patrimonial, patrimonial, laisse tomber, on allait en vendre 200 euh, si on était euh, enthousiaste. Du coup, on a lancé ça et effectivement, il y avait une attente, ça a bien fonctionné. Euh, et, et ensuite, on a, on a continué à faire des, des, des trucs de, enfin, des campagnes de financement sur Ulule, de précommande. Effectivement, donc quelques semaines ou mois avant les, la sortie, souvent c'était assez rapproché de la sortie, ouais. euh, de la sortie physique. Euh, donc, le titre allait sortir anyway. Mais on faisait des précommandes avec des, des couvertures euh, alternatives, collector, avec des goodies. Enfin, on essayait d'un peu de, de chouchouter euh, les gens qui, qui nous qui commandent sur Ulule. Et, euh, et étant donné que nos ventes n'étaient pas formidables en, li en librairie, enfin les mises en place euh, valiantes étaient déjà euh, à dire euh, trois fois inférieures à ce qu'on avait eu connu au lancement en 2016. Euh, disons que je ne cannibalisais pas vraiment euh, les libraires. Voilà, que je pense que je te l'avais déjà dit à l'époque en 2020. Euh, moi, j'ai besoin des libraires. Les libraires n'ont pas besoin de moi. Oui, pour, pour, faire, faire, leurs pour, chiffres, pour faire leurs chiffres. Ouais. Ils ont plein d'autres choses à vendre. Bah, par contre, j'ai besoin d'eux. Donc, euh, si le taf n'est pas fait ou alors si c'est trop compliqué de mettre en avant les titres, ce que je comprends parce qu'ils sortent beaucoup trop de trucs, il faut que je trouve un, une solution. Quoi. Ouais. Et du coup, ça a été le moyen de littéralement sauver le catalogue Valiant. Toi. Et de faire une pub et de, et de mobiliser quand même une communauté. Euh, était là, pour, qui est là à, chaque, à chaque titre et c'est super quoi. Enfin, on, on finit par lier des liens quoi je, veux dire, moi je, je connais les noms des gens euh, ouais, d'une bah ouais. campagne à l'autre on a, on a un pool de trois 400 personnes qui tournent et qui euh, quelques centaines de personnes qui, qui sont là et qui, qui nous suivent et c'est euh, je les remercie euh, on serait pas là sans eux quoi on, ouais. les valiant certainement pas oui parce que c'est ça c'est quand je voyais aussi à chaque fois d'avoir des campagnes qui étaient donc euh, bah, euh, réussies où tu fais du... Euh... Oui. Parfois du 300, 400, 400%, 500, 500%. Après, quand tu regardes en fait le nombre de personnes, c'est vrai qu'en fait c'est une, une niche dans la niche. En fait, c'est quelques mmh. centaines de personnes. Mais toi, en tant que structure, c'est ce, ce dont tu as besoin. En fait, c'est oui. ce qui te suffit. Et après, tu peux alors compter sur une forme de, soit de bouche à oreille ou, euh, ou ta présence en festival pour euh, bah, continuer d'élargir un peu le ah, C'est ça. C'est aussi. Bah oui, il y avait aussi le truc qu'on n'avait plus de, de relais en termes de. Avec le Covid, tout s'est arrêté, les salons et tout, ouais, c'était très pendant, compliqué. Donné, Notre dernier salon avant 2022, ça a été. Pendant deux ans, on n'a pas fait de salon, en fait. Euh, on est revenu à Angoulême en 2022. Pendant deux ans, il n'y a pas eu d'Angoulême. Euh, c'était le premier salon qu'on a fait. Le dernier qu'on a fait, c'était le Angoulême 2020, où on avait en avant-première euh, des titres de. de Deux de titres de Kéonil. Voilà. Et pendant deux ans, pas de salon. Et, et quand. Tu vois que c'est quand même un des plus grands plaisirs euh, que je prenais dans mon métier de faire des salons d'inviter des auteurs et des autrices et de pouvoir échanger de pouvoir faire des confs, des dédicaces des tournées euh. surtout que tu jouais le jeu euh... tu, tu, tu as toujours joué le jeu à fond là-dedans je me bah rappelle si, as, si as, on as, a, as... les moyens on y va mais faut... ouais mais je veux dire euh, à faire venir des Joshua Dysart, euh, Alberto Ponticelli Thomas Jurello, ah ouais. euh, bah Soyane euh... ah oui c'est un kiff euh, même faire venir des, des scénaristes c'était un kiff mm. quoi. Oui. en tant que fan pouvoir se dire putain on peut faire du contenu éditorial euh, sur la tournée enfin c'était génial j'aimerais trop faire ça et j'ai très bon espoir pour qu'on puisse ça à, nouveau, euh, oui. à nouveau faire ça euh, euh, dans les prochaines années grâce, euh, grâce à ce qu'on ce qu 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 va sortir ce que vous là, pu publier euh, ouais. et c'était aussi j'imagine compliqué pour toi euh, pour finir un peu sur le sur euh, enfin à finir, mais sur, sur Valent, le fait que de leur côté ils ont diminué leur nombre de publications au point que bah, toute l'année dernière et même en 2022, un peu, c'était un single issue par mois euh, max. Ouais. Et ça, pour toi aussi, c'est ingérable ah, oui. euh, en termes de proposer un catalogue parce que bah... tu, tu faisais déjà, tu étais obligé. De... Enfin, à un moment, tu faisais des albums, mais euh, suivant les TPP de, de Valent qui étaient de 4 numéros, puis tu, tu voyais bien qu'avec les coûts par album, en fait, c'était pas tenable ni pour toi mm -hmm. ni pour les lecteurs. donc attendre pour faire des, 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 des plus gros volumes ouais, des ah, sauf, que, et tout. sauf que sauf que quand tu mets un an euh... bah là j'avais plus oui j'avais t'as euh, plus de matos euh, quoi j'avais plus de matos euh, euh, oui pendant un an et une... plus d'un an plus d'un an ils ont sorti ils ont étiré la publication à mmh. un single par mois ouais. <laughs> et euh, donc c'est c'est pour nous euh, bah on était là ok on a plus de matos pour le faire euh, au point qu'il y a des, des titres euh, Enfin, je, je sais, je devais sortir le premier tome de la série, d'une euh, nouvelle série Ninja de Jeff Parker. Oui, avec Ravier Poulido, Et oui. Ravier Poulido, euh, qui est super. Le titre est prêt, hein, on a le PDF, tout est prêt. Hein. <laughs> Mais en fait, comme ils ont annoncé la suite à un moment avec Mike, Thor Mike Norton au dessin, euh, Ninja Super Killers, ils l'ont annoncé il y a deux ans maintenant. Oui, et ça, doit, et ça, ça doit sortir, genre, en, sortir en février, chez ça, Alien. février ouais. Entre février et, et juin, ils vont sortir euh, ce truc-là. Sauf que ça fait deux ans qu'on l'attend. Euh, oui, et toi tu, tu veux le je faire je en un. Bah bah C'est ça, un seul ça, ça euh. n'aurait servi à rien de sortir ce, ce Ninjac. Euh, ce sera un irrespect total des lecteurs. Il y a un, enfin, il y a un cliffhanger, il y a, il y a un twist. Il, et, et après, il faut attendre trois ans pour la suite. C'est terrible, quoi. Mm. Donc, je ne pas faire ça. Euh, je veux pas faire ça à mon lectorat. surtout, des, surtout euh, que, que, chez Valiant, bah on a quand même mobilisé euh, une communauté. Euh, euh, qui, est, euh, qui est certes euh, petite, mais qui est investi. Je ne veux pas me foutre de leur gueule. Quoi. Mm. Alors justement, euh, est-ce que tu as, as déjà eu des discussions avec euh, les repreneurs, avec, euh, avec Alien Books Est-ce que tu peux euh, nous dire, euh, si tu es déjà un petit peu en contact avec eux, juste pour ne euh, pas faire de pont sur la comète, hein, bien entendu Oui, oui. Bah, euh, moi, ce, que, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on euh, a on a achevé, en fait, la publication, euh, les, les droits qu'on a sur euh, tout ce qui a arrivait précédemment, en fait, avant Alien Books. Euh, et là, on est en train de parler pour pouvoir publier euh, ce, qui, ce qui va être publié par Alien Books à partir de cette année, c'est-à-dire même des choses qui ont, qui ont été montées avant, mais qui, ne, finalement, ouais, ne sortent le... en librairie que, là, par exemple, le, le Kickstarter qu'ils avaient fait sur un euh, une, euh, un roman graphique sur le guerrier éternel ouais. euh, notamment euh, qui a mis plusieurs années à sortir bon ben ça ça va sortir bientôt mais chez Alien Books euh, donc il y a ça il y a le X-Human Award de Liam Sharp et, et Becky Clunan qu'on qu attend enfin voilà la première partie on pensait on pensait pouvoir le sortir l'année dernière hein, très honnêtement on ouais. pensait le mettre pour la rentrée l'année dernière hein, à la base et, euh, sauf que les trois derniers épisodes sont toujours pas sortis ils vont sortir là ouais en début d'année en ouais, début d'année ouais la deuxième partie, donc il y a ce titre-là, et il y a également euh, le Ninja euh, Super Killers, qu'on aimerait pouvoir sortir, parce qu'on a déjà la première moitié qui est prête depuis deux ans. Euh, donc on est en discussion pour travailler sur ces titres-là. Euh, qui sont un peu les titres de l'entre-deux, en fait, de l'entre-deux période. C'est ça, c'est ouais. ça. C'est des, des one shot qui sont très cool. Et, euh, et quant aux nouveautés d'Alien Books, pour le moment, euh, moi, malheureusement, euh, je vais être clair, malheureusement, ce qui propose de publier euh, n'est pas adaptable euh, en format euh, français, enfin, en, en traduction. Pourquoi Parce que c'est principalement des one shot de 50 euh, pages, euh, voilà, mmh. c'est ça, de 40-50 pages, ou des mini-séries, mais en deux ou en trois épisodes. Enfin, on peut pas, on, on, on peut rien faire à, à part à faire un kiosque. <laughs> Sauf qu'il y a même pas assez de matériel pour faire un kiosque bimensuel ou trimestriel ou je ne sais quoi. C'est juste pas possible euh, tel quel et euh, je vais certainement pas sortir un tome de 56 pages ou de 60 pages ça ça enfin je, je ça n'aurait pas de sens ça coûterait très cher à produire ça étant donné le, déjà le, le la, la, la niche qu'est le, le, le quel univers aujourd'hui sur le marché français ce serait encore plus compliqué d'arriver avec en plus de ça un format atypique et un truc euh, un truc dont je serais pas personnellement entièrement satisfait quoi donc euh, on va voir parce que de toute façon ils ont annoncé juste ces titres-là pour se lancer. Euh, je sais de sources sûres qu'ils ont des, de, plus d'ambition que ça. Ouais. Bon bah, tant mieux. Ouais, quand euh, ils ont des grosses ambitions. Donc euh, j'attends de voir ce que 2024 nous réserve et 2025 pour euh, des titres plus longs, plus étoffés et des choses. Je ouais. pense que là ils tâtent surtout un peu le terrain. Ouais. Et, euh, et ils ont des ils ont je, je sais qu'ils ont des, des, des grosses ambitions. Donc euh, moi j'attends de voir et je serai je serai toujours au rendez-vous si les titres sont de qualité de hein, toute façon. Parce qu'ils ont quand même annoncé de tu faire sais, un nouveau Britannia. Oui, oui, oui. De pizza milligan que, que tu avais fait, d'ailleurs aussi en grand format, mm -hmm. plutôt façon franco-belge. Je me dis que ça, par contre, ça pourrait être adapté euh, dans un format franco-belge, en fait. Euh, oui. Que... oui, ça pourrait. en effet ouais. que, que... D'ailleurs que que tu fais en fait de ce que sur sur le plan justement de tes publications plus euh, jeunesse euh, en fait c'est là aussi que dès, dès le départ avec les titres de, de Kay c'est que euh, tu as abandonné euh, le le format euh, comics traditionnel pour faire des albums soit plus grands euh, parfois mm -hmm. plus petits parfois en souple euh, parfois mm -hmm. maintenant même en, en hardcover mais de petite taille tout ça comment mm -hmm. c'est en fonction de comment la VO est ou en fonction de quoi ah, que bah, tu choisis ça oui, euh, oui, 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 euh, la VO et puis le, le sens euh, euh, éditorial, le, le côté aussi, ce qu'on veut, qu veut donner comme. Euh, comment euh, Comme sens de l'accessibilité aussi à l'objet. Euh, J'aimais beaucoup le, le, le format album, euh, grand format pour la jeunesse, notamment pour les titres de K parce que. Son travail sur les couleurs est magnifique. Mmh. Et euh, très pastel, très ouais. à plat. Euh, Une hum. très belle palette. Et, et ses couvertures sont très belles aussi. Et ça mérite un grand format. Et j'ai même agrandi le format sur, par rapport à certains titres qui étaient sortis chez Onipress aux États-Unis. Vous avez fait des tout petits formats. Euh, et moi, je les ai mis. Ben j'ai uniformisé. J'ai mis tous les titres de quai euh, en format album. Et euh, ça, ça a payé. Euh, C'est. Et c'était bah, quand même un moyen aussi de de, 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 de s'éclater autrement. C'est vrai que le carcan de l'univers valiant, où on peut pas faire à part avec des éditions spéciales, où euh, j'avais quand même l'ambition de faire une maquette hyper carrée, ce qui parfois, ça a manqué de flexibilité. C'est vrai que quand ce format-là a commencé à s'essouffler euh, en librairie, j'aurais pu aussi le, le revampé, le, le, faire d'autres un, un truc Mais j'étais quand même dans, dans l'optique de rester fidèle. Euh, à, à ma maquette à l'univers gagnant c'est terrible quoi. parce que en fait c'est que tu t'es aperçu mais comme comme tous tes, tes collègues dans le milieu qu'une maquette en fait ça vieillit terriblement vite ou alors que juste que le temps passe trop vite mais parce que euh, moi je me rappelle très bien que Bliss quand, quand vous arrivez alors vous étiez pas les seuls à avoir des dos blancs mais il y avait quand même c'est les dos blancs contre les dos noirs de Urban, de, de, de Delcourt et tout ça. Et donc, tu avais les dos blancs de Glenna les dos blancs de Bliss, mais avec ce B aussi très caractéristique, tu vois, le logo. Euh, nous, nous, on jaunissait et... on on pas autant que Glenna oh, C'est ça. Oui. ça... C'est l'avantage ah, de bon. pas avoir les. Euh, je sais plus comment tu la soft touch. Là. Soft touch ouais. mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que as, ça a apporté justement quelque chose de nouveau de, de visuellement. Mais voilà, c'est sûr que bah, après 4-50 publications, euh, oui, euh, tu te retrouves avec la même euh, galerie de dos blancs uniformisés. Euh. Bah, ça a un tu sens. Vois, ça a un sens éditorial. Mmh. Euh, et euh, un, oui, c'est un, un sens éditorial. Mais je, je... même avec les, les, les old school, tu vois, les, les Valiant old school, on s'est amusé à faire autre chose aussi, là, parce qu'on a pu. Et même avec les titres, les Shadowman là qu'on a fait de Charlie Adlard et de Ennis oui. nice, on a fait aussi quelque chose que dont je suis très très fier. Enfin, j'aime beaucoup le, le, le format et le, le dos, le, la maquette, elle est chouette et ça change des, de l'univers normal. Euh, mais on peut s'éclater tant qu'on veut, si le marché il est pas là, si. Euh... Bah, c'est des bouquins dans lesquels je crois, mais. Euh... Mais je peux pas mettre ma vie dans un truc que mon diffuseur va placer à 450 exemplaires, en fait. Dans euh, toute la France, tu veux dire? Ouais. Ouais. Genre, tu vois, c'est. Et c'est là le, 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 le... le truc qui m'a le plus euh... déprimé, c'est quand, euh... quand on a sorti euh, le. Le, le deuxième Shadowman old school donc à la, la suite du run de Garcenis ouais. on était très content il est d'ailleurs pas mal marché on, était, on, on est content de, de, de comment il s'est vendu mais euh, le, le, le tome qui pour moi qualitativement était au moins aussi bon euh, euh, avec euh, Charlie Adlard avec Jamie Delano au scénario euh, qui n'est pas un, un nom connu mais que euh, on va dire les, les amateurs de d'occulte ouais. et d'occultes euh, connaissent via Hellblazer et c'est un de mes scénaristes qui m'a qui a forgé ma passion de Hellblazer et du des récits un peu comme ça, un peu sombres. Bah le run il est super bien. J'y ai mis pff, beaucoup de temps et d'énergie et, et de patience pour traduire 350 pages ou 300 pages de, Parce de que ça. C'est toi qui traduis presque tous les titres. Alors je sais que Moi, les titres adultes, oui, ouais. euh, les titres ad, beaucoup de titres adultes, euh, quelques titres jeunesse. Euh, voilà, on se partage, on se partage et après on on se nourrit avec Célia, mon éditrice, on. On se relit, on se corrige, on, on, voilà, c'est un, 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 un truc un peu collectif. Mais oui, euh, ça a pris du temps de, de traduire euh, du Jamie Delano euh, bien verbeux, bien, euh, bien, un peu purple, tu vois, dans la, dans la, la sa prose, euh, sa prose est un, est un peu verbeuse, un peu, un peu, un peu pourpre, comme disent les, mmh. les Américains, un peu empoulé parfois. Ça a pris un temps fou. Et, et, et quand je vois qu'on on a mis 400, euh, 400 j'ai fait, putain, parce que je suis hyper fier du bouquin, il est hyper beau, j'adore l'histoire, euh, les dessins c'est cool, c'est Charlie Adlard euh, qui s'éclate, qui, qui, qui essaie de un peu, euh, un, un peu créatif, euh, voilà, qui, qui expérimente des trucs. Enfin, le, le bouquin est, est cool, mais il y avait plus, il a pas de place pour ça, euh, c'est dur, quoi. Ou alors il faudrait, ouais, il faudrait mettre un, un, une tonne d'efforts dessus que je pouvais pas euh, matériellement euh, ouais. mettre, quoi. Non, ça, te, ça te demande trop en termes d'énergie ou de moyens pour, euh, par rapport au, au potentiel retour sur investissement euh. bah c'est ça et, et, euh, et c'est au, aujourd'hui à partir enfin depuis la fin de l'année dernière et plus encore là en 2024 enfin on va avoir les moyens de, de défendre mieux ces titres là je pense que avec Valiant, il y avait tellement de titres à sortir. Euh, et il y avait une, une croissance un peu organique de la de, de, de ce lectorat qui se formait il y avait on, on, a, on a rempli quand même un, be un, un besoin euh, éditorial pour certaines personnes mmh. euh, avec l'univers valiante alors ça s'est érodé évidemment ça peut pas rester euh, fixe euh, pendant des années hein, mais euh, ça s'est fait un peu naturellement ce qui est que je pouvais je pouvais euh, bosser euh, tout seul sur les bouquins et euh, j'avais pas besoin de trois personnes autour de moi pour faire comme des machins. J'en faisais, mais voilà, ça se faisait un peu naturellement. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Et aujourd'hui, ce qui est bien en 2024, c'est qu'on va avoir avec Bliss plus de moyens pour, pour défendre des titres en sortant beaucoup moins de titres et en y allant à fond. Ça, c'est ta stratégie, alors, c'est de réduire le volume? Ben, en fait, c'est, c'est simple. C'est la structure de diffusion fait que, qu'on peut pas faire autrement. Euh, quand on présente un programme à notre diffuseur distributeur, euh, programme trimestriel, si tu présentes 5 six titres, tu sais qu'il y a un titre qui va être, qui, un ou deux titres qui vont être vraiment forts et, et bien défendus. Le reste, ils pourront pas le faire, ils pourront pas le faire correctement. Vu la structure que c'est, ils pourront pas le faire correctement. On n'est pas, on n'est pas avec Delsol, avec euh, avec des gros, des gros diffuseurs, qu'on des, des turbo équipes. Euh, représentants, il faut leur présenter un catalogue qui nous mêmes est, est très rationalisé et en leur montrant voilà il ça voilà là ce trimestre il y a ça en jeunesse il y a ça en adulte c'est les deux trucs forts qu'on a et voilà c'est donc oui on, on va être sur 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 12 titres par an quelque chose comme ça quoi ouais, un, un par en fait alors euh, vraiment ouais à peu près ouais non, en même temps fait... ça te permet de localiser de enfin de localiser de mon... non pas monopoliser non plus de dévouer plus de ressources Bien en sûr. fait euh, humaines, de communication pour chacun de ces bouquins. C'était un peu un vœu pieux depuis plusieurs années de faire ça, mais j'en ai, ai jamais eu les moyens euh, financiers, on, a, on est passé par des, des, des bas très bas, bah oui, euh, oui, c'est ce oui, très oui. compliqué et en fait on fait plein de, de souhaits et, et euh, j'ai plein d'idées, hein, ça fait des, depuis trois ans j'ai plein plein d'idées mais jamais ni le temps ni les moyens de les réaliser parce que euh, même temps perso et tout c'est con... enfin, trop compliqué quoi. ouais faut tout, faut tout gérer quoi. bon et puis il y a, y a un éléphant euh, dans, cette, dans cette pièce oui <laughs> qui nous observe depuis avant qui attend qu'on parle de lui euh, il s'appelle Bad ID quand même ouais. ça c'est quand même la, la grosse euh, nouveauté euh, ben, pour cette année euh, pour toi pour le à mon sens pour le marché euh, du comics dans son ensemble parce que c'est quand même nous un éditeur bah, qu'on a suivi depuis les débuts euh, j'ai eu la chance mmh. de pouvoir taper la discute à Dinesh, euh, bah, c'était il y a deux ans mais déjà bientôt euh, en, à, à la New York Comic Con 2022 et on le disait mais euh, ramène ces putains de bouquins en France <laughs> ramène et je sais qu'on en avait parlé il y a aussi deux ans hein, clairement en, en off quoi euh, tu peux nous expliquer un peu bah euh, je sais pas comment as, comment t'as as réussi à ah c'est ben c'est <laughs> cette manœuvre quoi Pfff. Non, en 2024 donc, euh, donc Bliss va publier le catalogue de Bad Idea en France voilà enfin c'est écrit c'est dit à, à commencer par euh, L'œil d'Odin de Joshua Dysart et Thomas Giorello qu'on a défendu à Angoulême et, euh, et dont l'artiste est en tournée actuellement et qui sort le 9 février euh, dans toutes les bonnes librairies et euh, on est très très heureux et il est en rupture déjà <laughs> donc euh, c'est super enfin en tout cas chez le distributeur maintenant il faut les vendre ils vont arriver chez les libraires il faut que ça se vende et, euh, et l'histoire oui ça, ça fait plus de trois ans hein, qu'on en parle en vrai ça fera ça fait euh, en, en janvier ça fait quatre ans que je que je suis au courant de ID. Euh, et tout a commencé bah en fait tout a commencé avec l'œil d'Audin. en fait c'est aussi pour ça que c'est important que ce soit le premier titre qui sorte parce que j'étais en janvier 2020 euh, donc on était avant le Covid dans une autre vie euh, à Los Angeles chez chez Joshua Dysart qui m'avait gentiment hébergé et euh, et il m'a montré euh, il m'a montré sur quoi il est en train de bosser et c'était l'œil d'Audin. À l'époque, il bossait sur, il bossait avec Tikeo, euh, l'éditeur qui a été euh, publié en partie par euh, par Panini, ouais. donc, euh, notamment sur le titre Good Night Paradise qu'il avait fait avec Albert, Alberto Ponticelli, euh, qui est sorti en français chez Panini. Et, euh, et il m'a montré sur, le sur quoi il bossait et c'était bah, les, les derniers scripts de de l'œil d'Odin. Et euh, il m'avait montré euh, les, les, les crayonnés euh, des deux premiers épisodes de, que Thomas avait réalisé. J'ai fait waouh, c'est incroyable. Putain, euh, Joshua qui fait une histoire de fantaisie euh, une histoire de viking mais vue par les yeux complètement par, euh, par le, le prisme d'une de, de, euh, petite fille Solveig dont on sait pas si ce qu'elle voit c'est vrai ou si elle est juste dans une folie berserk et qu'elle voit des trucs euh, c'est hyper inventif euh, comme point de vue je trouve pour un récit de viking enfin c'est pas torgal c'est pas ouais. pas un truc euh, ah, voilà le main caractère c'est une petite fille quoi euh, ouais, qui euh, prophétesse prend... euh, un point de vue sur les mythes nordiques, en fait, je ouais. trouve super euh, âpre, en fait, vraiment ouais. très... Euh, ouais. C'est presque de la dark... Euh, ouais. non, tu vois, dark... Ah, fantasy, très, en fait ah, c'est très brosson, ouais. euh, le Ça m'a euh, attiré de fou. J'ai vu les planches, évidemment. Oui, Thomas, euh, oui. <laughs> Thomas, on, on l'avait déjà publié chez Valiant euh, Un artiste argentin euh, incroyable. Maxon Xomanawa. Voilà, notamment sur le, le, le X Manoir de Madkint. Et, euh, et je, il m'a montré ça, et il fait, ouais, c'est un nouveau truc, c'est Dinesh, euh, voilà, il monte un truc, euh, et je fais, euh, ok, eh euh, ben, euh, on va faire un mail à Dinesh, quoi. Et, et ça a duré tellement longtemps, <laughs> parce qu'il devait se lancer, du coup, en, au printemps 2020, et puis, en fait, il y a eu le Covid, et, euh, ils ont décidé, euh, ils ont décidé de de, de reporter d'un an complètement, donc euh, mais en tout, tout en continuant à bosser sur des titres. Donc euh, donc euh, ils ont ils ont ils ont ils ont des titres en stock quoi. Et ils sont finalement lancés en 2021. Nous on a continué à parler pendant tout ce temps. Et le problème c'est que ben bah, ils sont pas assez et ils sont ils étaient ils étaient surtout concentrés sur leur lancement, sur leur nouvelle vague de titres. Il y a eu aussi des changements euh, en interne. À un moment, Warren Simmons euh, est parti. Enfin, en tout cas, c'est mis en retrait euh, de, de toute fonction, euh, euh, on va dire, effective. Voilà. Euh, euh, puisque bah, Bad ID a été monté avec, euh, avec, par Dinesh et Warren, euh, de, les deux anciens de, 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 de Valiant. Et d'autres gens, d'ailleurs, qui étaient euh, chez, chez Valiant. Euh, Hunter Gorinson, Gorin mmh. qui, qui maintenant est à la tête de, de Nipress. Mmh. À euh, Tom Freeman, euh, d'autres. Euh, voilà. Maintenant, euh, c'est marrant parce que mon contact principal euh, est depuis un an chez euh, chez Badadi, c'est le contact que j'ai eu pendant euh, sept ans euh, chez euh, chez Valiant, en fait, et qui est le dernier à être parti de Valiant pour rejoindre Badadi, c'est très drôle. Euh, et donc, on a parlé, parlé pendant des mois, des années, des années, et ça devait se faire euh, il y a deux ans, ça fait se faire il y a un an, et à chaque fois, ça reportait, et, et c'était un enfer. C'était un enfer, parce que moi, je, je voyais déjà les titres, les titres valiantes baisser j'avais besoin d'un relais éditorial aussi, et je voulais pas, j'étais, j'ai beaucoup de mal à, j'avais du mal avec, euh, avec le fait de, d'aller de, 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 chercher, d'aller piquer des titres, euh, me battre avec, euh, avec High Comics, avec 404, avec euh, des gens comme ça qui ont leur lane, qui, je trouve, font font leur taf. Et moi, je voulais pas faire ce truc-là. Je sais pas ce que je sais faire de mieux. Et je veux des auteurs, quoi, des autrices. Et tous mes auteurs, ils étaient chez BadAity, en fait. Et j'étais très frustré de ne pas pouvoir les publier. Comme j'avais été frustré deux ans plus tôt de pas pouvoir publier notamment des titres de TKO. Notamment le titre de Joshua et d'Alberto parce que c'est des auteurs qu'on connaît, qu'on a déjà publié avant. Voilà, c'est pas ouais. que je me les approprie pour le marché français, mais c'est que euh, puré c'est euh, j'ai un vrai affect quoi. Ouais. Et là, Bad c'est tout ça. Tout le monde, est, tout le monde est là-bas. Rob Venditti euh, Matt Kint, euh, qui est extrêmement prolifique là-bas. Euh, Lewis Larossa, enfin, euh, Juan roserip, Rosérip, Joshua Dysart, tout le monde est là-bas quoi. Il ouais, y a tout ton crew. Euh. C'est tout mon crew. J'ai tous invités euh, en France un moment en quoi ou presque. Enfin, c'est voilà et finalement finalement c'est au printemps dernier euh, printemps été dernier que enfin enfin on a pu euh, on a pu signer le contrat et faire faire un truc et euh, ça a été très très long et très difficile et c'est sans euh, sans sans faire de 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 breaching de, de NDA et tout ça mais c'est parce que c'est vrai qu'ils ont un modèle eux-mêmes de publication mmh. qui est euh, complètement euh, euh, délirant en fait euh, sur on fait que des single issues, on fait pas de trade, ça, alors ouais. que justement bah, toi en France t'es obligé de faire un équivalent de trade. Je sais pas si c'est. il bah, y, 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 y a eu beaucoup d'obstacles à ça qui ont et ça a mis des années euh, à leur mettre on va dire euh, planter des graines dans leur tête et aussi que eux se décoincent sur certaines choses. C'est que effectivement il y avait l'idée de pas faire de trade paperback, de pas faire de tom. Euh, ça ne sort que en single, pas de pas de digital, pas de couverture variante. Euh, pas de crowdfunding en tout cas pour la France par exemple vois, y, pas de crowdfunding ils sont très secrets sur les chiffres de vente sur ces choses là c'est un peu euh, euh, qui, me, qui me faisait cette euh, euh, cette analogie que c'est Bad c'est un peu le, le, le reseller de sneakers euh, du comics quoi. ils ont un peu ce même modèle de rareté de, de de trucs un peu un peu élite, qui se veut un peu élitiste un peu mystérieux tu leur sélection de shop c'est un peu est-ce que tu as est-ce que tu as, as réussi à choper le dernier drop de Badaddy quoi <laughs> euh, c'est <laughs> pas la nouvelle Jordan 4 c'est 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 le dernier bouquin de Badaddy et oui c'est avec les, les gars de Silver Sprocket euh, mm. éditeur formidable euh, underground américain euh, qu'on disait ça et que c'était un peu ouais moi euh, ah, j'ai un pote qui va dans un comic shop qui fait du bad ID et il a pu me prêter une de ses copies, mais moi je ne voulais pas plus en avoir. Genre, c'est un truc, personne ne sait. Aux États-Unis, c'est très secret, quoi. Mmh. Ce qui, bon, c'est leur délire et ça, et ça fonctionne. C'est leur, leur modèle ouais. économique aux États-Unis. Ouais, ouais. bah, c'est pas le mien en France et ça ne pourrait pas l'être. Mmh. Je veux dire, j'ai pas une puissance. Je peux pas faire, je peux pas faire, jouer sur la rareté. Et si je joue sur la rareté, juste je, 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 je n'existe pas. En fait. je, je, je suis invisible. J'ai qu'un seul bouquin. Je, <laughs> je vais le mettre mm, dans une librairie euh, Mystère, Mystérieux. Et en fait, tout le monde s'en fout. <rire> <rire> Donc, euh, je peux pas jouer là-dessus. Et ça, les décoincer là-dessus, les décoincer sur le fait de pas sortir des, des tomes. Et à un moment, on discutait, qui me refilent un truc exclusif qu'ils avaient jamais sorti aux États-Unis. Ils me disent, bah, comme on a des titres, tiens, tu choisis un titre et tu le sors. Et, euh, et ce, sera, euh, ce sera ton exclu. Euh, comme ça, en fait, euh, bah on, 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 est, on reste fidèle à notre truc de pas sortir les titres. Je vais dire les gars, laissez-moi sortir l'œil d'Odin, laissez-moi sortir Tanker, c'est ça, sortir toutes ces dingueries, c'est trop bien. Donc moi, j'étais peut-être le seul... Enfin, je sais pas, j'étais un des seuls Français à avoir lu ces bouquins, tu vois, parce qu'ils bah, bah m'envoyaient oui. des PDF, des trucs pour que je puisse lire, faire le tri. Déjà voilà. le fait que tu aies des versions numériques, c'est... Euh... Oui, c'est genre. Euh, c'est toujours beau secret il fallait bah pas me oui, pirater mon truc ça n'existe pas en numérique cette ah truc -là. Ouais. personne n'a vu les gens ils ont vu quelques couvertures comme ça personne n'a vu à quoi ça ressemble et For The Record t'as jamais fait croquer quoi ah non, ah, non, bah, ouais. putain, attends, non, bah, putain, non, mais t'aurais pu, non, mais je veux dire, t'aurais pu, c'est euh, juste pour, euh, à certains trucs, euh, même à moi, je veux dire, juste pour dire, ah, tiens, oui. voilà, à quoi ça ah, ressemble. Là, je... Mais je veux dire que même ça, je sais ah, que non, non, je non, t'avais demandé, ah, c'était niette quoi, non, tu non, vois, donc. Non, euh... non, je, tant que, parce que, ouais, ouais, tant trop... que c'était pas officiel et qu'on pouvait faire vraiment ça. Ouais, c'est trop risqué, quoi. C'est mmh. trop risqué. Donc, j'avais tout le matériel, je voyais, je voyais à quel point les titres étaient bons et la quantité de matériel qu'il y avait. Euh, en termes de BD de genre, c'était hyper diversifié. Il y, a, il y avait un, nou, un, un souffle créatif que j'avais pas retrouvé bah, depuis finalement le, le, le valiante des, des débuts, quoi, de, le, le Valiant des architectes euh, qui avait relancé euh, les, les séries. Là, ils, font, euh, ils ont une très grande liberté. Les artistes s'éclatent, ils ont le temps de travailler aussi. Les artistes, ouais. donc euh, ils sont vraiment, euh, euh, ouais, ils s'y sentent bien. Mais, mais euh, euh, je, je, je digresse. Mais euh, le, sur, sur le, coup, le coup du marché, effectivement, il y a un truc où en France personne n'a entendu parler de Bad ID à part les fans de comics un peu pointus oui. qui disent Ah putain, ce truc là, ok, qui disent de la VO, qui demandent à leur comic shop en France Est-ce que je peux avoir la VO de ça qui leur, leur répond euh, J'ai essayé, mais c'est trop galère ou on peut pas, ou c'est machin, c'est bizarre. Ça se retrouve que dans quelques shops en Allemagne ou en, ou en Angleterre. Je crois qu'il y, y a un comic shop en Angleterre qui le fait et un en Allemagne aussi. Un en Allemagne. Ouais, ouais, ouais. Ouais. <laughs> et en. Et encore, enfin, voilà, faut, faut, faut y aller, quoi. Je sais que sur ce, que même eux, quand c'est en dehors des États-Unis, c'est un peu galère pour avoir les titres et les trucs, c'est genre. Ouais. C'est un délire et s'ils reçoivent 10 Enfin, bref, c'est pas, euh, distribuent pas 200, 200, 200 bouquins, hein, c'est. Ouais. Donc, il y a ce truc de la rareté et moi, c'est pas ma philosophie. Euh, donc eux, ça marche sur leur marché c'est trop cool. Moi, si ça me permet d'avoir des titres euh, de qualité, euh, je suis trop heureux. Donc, il y a un truc, il euh, y a un kiff à montrer une édition qui que personne d'autre a du matériel qui est totalement inédit que même les fans de comics de VO qui suivent l'actu ont jamais lu même en VO je peux pas je, je, les gens peuvent pas dire ah, les comics non mais moi je suis un moi je suis un OG moi je, je, je lis je lis que en VO je dis bah bon courage <laughs> bon courage pour lire relire euh, id en VO parce que à moins de, 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 de pointer à New York et de, ouais, de choper ouais, des copies le... ouais. euh, et encore, c'est un peu chaud, quoi, parce qu'il y a un truc de rareté, il faut les commander. Genre les com même les comic shops qui participent à leur programme de comic shop agréé, mmh. il faut qu'ils aient vraiment le nombre de clients, et ils, ils servent que le nombre de clients, ils ne peuvent pas en commander 200 et dire, ok, voilà, on en a plein. Oui, Est-ce que c'est une copie par personne ouais, C'est euh... vraiment un délire. Donc, euh, ouais, ce côté secret... Euh, nous, on est là pour, euh, bah pour démocratiser la BD et pour le montrer au plus de monde possible. Donc, euh, c'est trop cool d'avoir ce pool d'artistes euh, et de créativité. Euh. Ouais, c'est une respiration de ouf. Hein. Franchement, ouais. euh, ça faisait des années que j'avais pas euh, vécu ça. Honnêtement, euh, depuis, les, depuis les premiers titres de Keanu, il y a quatre ans, c'est ça fait trop du bien. Hein. Et alors, techniquement, c'est vrai que toi, euh, enfin, ce que, ce que tu as signé avec eux, c'est pour pouvoir publier euh, virtuellement tout leur catalogue en fait c'est euh, euh, c'est oui, ou oui, limité bah on, euh... ben, on a un contrat qui dure sur un certain temps hein, ouais. comme tous les contrats d'édition mais oui oui on a l'exclus sur le catalogue Bad ID ça vous avancera pas beaucoup plus vu que vous pouvez pas les voir de toute manière en avance les titres. mais euh, <laughs> voilà on a plein Alors, de... on peut voir des couvertures quand même quand ils les annoncent on il y a, a plein des plein couvertures. De très belles, très belles choses euh, et ils en montrent ils en montrent un peu plus aujourd'hui parce qu'ils font des eux-mêmes des même, Kickstarter des kick Dire, euh, ils en ont fait un pour euh, Save Now qui est un titre de Thomas Jurello et Matt Kint. Ils en ont fait un qui a très très bien marché pour Megalith. Ouais. Que euh, euh, titre de Matt J'ai enclisé comme un fou parce que euh, justement vu que je savais pas euh, encore si tu allais finalement les avoir ou pas, ils avaient fait un, un enfin un go, un enfin une contrepartie pour prendre tout leur catalogue déjà publié. Un truc mais un truc à un prix en plus complètement abusé quoi. <laughs> et du coup je l'ai, j'ai craqué complètement et oh je ouais. l'ai pris. Bon je l'attends encore. <laughs> parce que je pense ah bah, qu'ils en verront tout en ouais. même temps, j'imagine. Ouais, ouais, et que... mais du coup bah en fait bah tant pis voilà mais euh, bah non. tu seras un des euh, un des OG en France à avoir euh, Ouais, c'est je pense c'est le c'est le seul en France à avoir des singles. Euh. alors pas <laughs> seul parce que justement moi j'avais pu lire l'œil d'Odin euh, par un, un pote et un, un auditeur en fait qui était allé se les, les procurer je crois en Angleterre ah, et, ouais. qui, et qui me les avait mais tu euh, vois c'est euh, Mais voilà, faut tu vois les chemins qu'il faut vois, faire. Le truc c'est vraiment est-ce que tu as eu le dernier drop de la de la Jordan Travis Scott euh, voilà, qui va se resell à 800 dollars, <laughs> c'est délirant, quoi. Ah, c'est délirant. délirant. Et, euh, et c'est membres ça a été confirmé par des gens, euh, euh, enfin, des, des, des potes aux États-Unis euh, qui, qui disaient eh Oui, oui, non, mais oui, c'est très bizarre, Bad idea. Les oui. gens sont là, c'est quoi ce truc Même ce qu'ils font à, à New York sur leur stand avec euh, ce qu'ils ce qu faisaient en. À la New York 2022, c'était que tu, tu devais te, te balader dans la convention pendant une heure avec une pancarte Stop a Bad ID et te donner deux single issues à la fin euh, qui, qui rééditaient pas après, tu vois. Et, et les gens, bah, moi, moi je l'ai fait bien sûr comme un Yankee, euh, mais, euh, mais plein de gens le faisaient en fait. Ouais. Et, et, super ouais. mot et super déter en fait, tu vois, parce que il bah, y a quand même un. Je, je, moi je vois bien qu'il y a deux il y a, il y a les gens qui trouvent ça fun et et galerie et, et peut-être pendant un certain temps et puis tu en as effectivement d'autres au bout de parce que ça c'est qu ils sont toujours comme ça ils s'arrêtent ouais. pas où tu dis, moi, bon la la blague elle, elle commence à être un ouais. peu longue tu vois. Est-ce qu'on peut lire des BD <laughs> Ouais, c'est ça, J'aimerais <laughs> bien les... lire, lire des bandes dessinées s'il vous plaît. <laughs> les les meilleures sont les <laughs> plus courtes aussi quoi. Mais mais c'est ça donc toi enfin on peut s'attendre à ce que de bah, toute façon tu avais déjà annoncé hein, qu'on qu avait rédigé euh, sur sur Comicsblog le fait que tu Tankers. donc euh, euh, ce, ce trip de, de, ben, de soldats bourrin contre des dinosaures. Oui. tu peux un peu présenter le. Ah oui, bah c'est euh, notre troisième titre qui sortira en mai, si tout va bien. Ça, parce euh, que là, on a l'œil d'Odin maintenant. Non, on a Pi Pirate Queen, Queen. Euh, qui est un titre de pirate badass, euh, très très cool, euh, qui est à la fois euh, une aventure de pirate, comme on pourrait, euh, je sais pas, liser Long John Silver ou j'en sais rien, ouais, liser de la BD de pirate, c'est fun. Mm. Sauf que euh, j'avais jamais fait de BD de pirate, vraiment. Je crois pas. Non, je crois pas. Et, euh, et euh, c'est très cool parce que bah, le, le, le personnage euh, de Monday Ryan, c'est une pirate euh, qui est enceinte et qui va en gros euh, vouloir venger euh, la mort de son mari, le, le père de son enfant à naître, euh, tué par les Anglais. Et donc, c'est un récit euh, très anard. C'est écrit par Peter Milligan, donc on peut s'imaginer que c'est euh, bien politique et bien irrévérencieux mais pas euh, c'est pas potache euh, c'est à dire que c'est assez finement écrit et le personnage de Monday euh, de Monday est, est, est touchant parce que c'est à la fois une pirate badass et à la fois quelqu'un qui a beaucoup de fragilité parce que genre elle est enceinte et elle veut protéger son enfant et, euh, et c'est chaud pour elle et donc il euh, y a ces deux versants de ce personnage qui ont en fait un personnage hyper hyper attachant et euh, et c'est très très cool c'est très beau c'est illustré par Adam Paulina et c'est hyper beau euh, donc c'est le deuxième titre qu'on sort en mars et, et le troisième ce sera Tankers euh, par euh, Rob Venditti et euh, Juan Roserip euh, dans un euh, dans un délire euh, c'est un peu euh, c'est un genre de don't look up avec des mechas et des dinos <laughs> un peu je trouve qu'il y a une, une vibe don't look up de se moquer euh, du solutionnisme technologique euh, pour, euh, qui va sauver l'humanité. Euh, et le pitch, euh, bah, c'est tout simplement euh, une giga-corporation du pétrole texane. Oui, c'est ça. ça qui, va, euh, qui va envoyer dans le passé... Euh, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus beaucoup de réserves de pétrole. Du coup, euh, ils se sont dit en fait, euh, on va renvoyer dans, envoyer dans le passé une équipe de, de bourrins en méca pour protéger les scientifiques qui vont dévier le météorite qui a éteint les dinosaures. Et ils ont calculé pour que le météorite, en fait, sera dévié et va revenir éteindre les dinosaures, mais 10 millions d'années plus tard. Du coup, les dinosaures auront le temps de se multiplier. Et du coup, comme les sédiments sont créés par les fossiles, et le, en gros, le pétrole, c'est ça, hein, le pétrole, c'est mmh. de, que des sédiments qui sont transforment en pétrole. En gros, du coup, ils vont gagner un siècle d'hydrocarbures en plus dans le présent. Ok. Tu vois? Euh, donc, les gars, quand même, c'est un peu pour montrer l'aveuglement la, du, du, du capitalisme et du néolibéralisme. C'est genre vraiment. Euh, on a inventé le voyage dans le temps. Et on fait ça pour pouvoir avoir plus, plus de, de pétrole. pétrole c'est ouais. formidable, quoi. Et euh, c'est drôle, c'est bourrin. Et en même temps, c'est touchant parce que tous ces neneux-là, ces, ces troufions, ils sont. Là, ils sont. Euh bah ils font équipe quoi, ils doivent survivre au milieu de de giga de giga euh, euh, qui évoluent et qui sont plus intelligents et machin. C'est <laughs> un il y a, y, a y a un délire euh, visuellement. Euh, rip euh, fait du du Jeff Darrow euh, en gros. Enfin euh, <laughs> c'est le plus Darrowesque du, 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 du Rip quoi. Avec des des dinosaures qui se font charcler ça ça il y a du détail dans tous les sens ah non on, on, on dit souvent aussi ouais, c'est clairement de ces cut euh, ou hérité spirituel ou, euh, ou euh... ouais ouais en plus en plus réaliste enfin ouais. c'est un peu différent mais là c'est il y a un truc comme ça dans le niveau de détail tout en étant très dynamique en en foutant partout et ça explose dans tous les sens et en même temps il y a cette vibe quand même euh, très euh, très satirique de, de de se moquer de se moquer de, de des milliardaires, euh, ouais. pour moi c'est ça, c'est le don, c'est un don de look-up avec des dinos un peu dans la vibe. Et que je, trouve, je, je trouve ce titre assez cool. C'est un titre très nerveux, un peu comme Pirate Queen. C'est un titre plutôt court et très nerveux. Et euh, donc pour le moment on publie que des one shot, hein, banalité. Ouais. Euh, dans des très beaux formats. Euh, oui, grands très formats, grand, très euh, grand les bouquins. Très grand parce qu'on a à chaque fois des artistes de malade. Euh, très fier du de comment sont sortis les premiers bouquins je suis très très heureux de la maquette euh, de la fabrication très grand mais pas forcément mais c'est pas du format franco-belge dans les mesures ce que tu gardes l'homothésie donc ça a quand même un peu la ce côté un peu plus étroit des planches de comics ouais, ouais, ouais. mais ouais putain ils sont ils sont grands quoi ouais ouais c'est du 20 par 30 enfin c'est mmh. ouais c'est c'est du grand format hein, album et euh je pense que là aussi, ça t'a permis d'avoir avec ces titres de revoir aussi, ben la DA euh, ouais. et de repenser aussi tes bouquins en tant qu'objet. Ouais, 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 ouais. On voulait, de bah, toute façon, avec Bad ID, comme chaque titre compte vraiment fort pour nous, euh, éditorialement, financièrement, tout. Enfin, je, ça se repose là-dessus. La moitié de notre catalogue, la moitié c'est jeunesse et young adult, et l'autre moitié ça va être ça va être Bad ID, hein, grosso modo. Et j'espère euh, quelques du... titres valiants Valiant, si ouais. on peut continuer à, à le faire. Et, euh, et on a des trucs dans les suivants encore, mais voilà, je peux en parler. Euh, chaque, chaque titre compte de ouf, et je voulais vraiment, et chaque titre mérite... Il euh, y, y a un côté luxueux d'avoir un, un beau one-shot qui mmh. se tient, euh, et, qui, et dont chaque, euh, dont chaque maquette est, est vraiment unique. Parce que chaque titre, bah, ce n'est pas un univers partagé, chaque titre est indépendant. Et en plus, dans des genres très diversifiés, il y a de la SF, il y, y a du genre, il y a du crime, il y, y a de la fantasy, il y a les, des pirates, il y a, y, y a du, du monstre, il y a plein plein de choses. Il y aura de l'horreur un peu Il y a. Euh, oui, alors il y a un titre assez. Euh, euh, qu'on qu n'a pas encore mis au catalogue, mais qui est un titre en noir et blanc de Renato Guedes, qui est un peu dans cette vibe-là, euh, un peu horrifique. Euh... C'est pas celui qui est écrit par Marguerite Bennett. Ouais. Ok, je ouais, vois. Enfin, il l'avait. Je J'ai euh... une couverture en tête, ouais. Et bref, ça couvre quand même pas mal de, pas mal de, pas mal de styles. Oui, là, je demandais juste pour moi. Hein, ouais, ouais. <laughs> Parce que c'est mon dada, quoi. Et là, on est sur, euh... bah, c'est assez diversifié. Hein, nos trois premiers titres, on a, euh, voilà, de la SF, euh, de satirique, euh, des pirates, des pirates et, 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 et un euh... mec. <laughs> Et de la, et des vikings, de la fantasy, mais avec un niveau de recherche hyper élevé. Joshua fait un travail de recherche énorme, avec un aspect spirituel aussi, hyper, hyper poussé, parce que, bah, Joshua écrit comme ça, et, enfin, c'est deep, c'est pas, on n'est pas juste sur des, des vikings qui se tapent, non, non, ouais, des non, prophéties un peu chelou. Il y a un truc on est dans la tête d'une petite fille euh, qui euh, qui sait pas ce qui lui arrive et, et qui voit des trucs et qui devient berserk de temps en temps et euh, c'est hyper intéressant comme voilà comme comme récit comme point de vue donc je ouais. Euh, ouais chaque titre est chaque titre vaut le coup quoi est ça qui est... chaque titre et chaque titre va compter on va jamais sortir des trucs pour euh, remplir un, un planning nous on n'a pas comme politique de dire il faut qu'on qu occupe les les étagères euh, vas-y il faut que tu me sortes 25 titres par an euh, sinon euh, on n'est plus présent on va on va bosser de ouf chaque titre quoi. Voilà. Trop bien. Et du côté de Jeunesse, qu'est-ce que tu peux un peu nous nous dire sur sur ton début d'année ce qui arrive Bah on, on continue notre politique d'autoriste donc euh, donc euh, il y a du Wendy ouais. Show qui revient ouais, à bientôt, Wendy hein. Show Wendy mmh. Show revient, on avait publié Tide en 2022. Euh, sa première BD euh, qu'elle avait écrite et dessinée euh, euh, pardon on l'avait sorti en 2020 c'est 2022, 2022 ouais, c'est ça ouais. Mooncakes en 2023 Mooncakes en 2023 euh, écrit par Susan Walker euh, très chouette le, la, pareil le, 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 un, peu plus, un titre un peu plus adulte plus, uh, plus ado adulte là où Song était un récit avec un petit peu moins d'envergure et plus accessible aux jeunes lecteurs mais que j'ai préféré moi par so tu ouais. vois bah, je trouve enfin ouais. sur l'écriture, je, je la trouvais plus, mieux quand plus C'est plus fluide, c'est ouais, euh... Effectivement, bah, il y a sa patte, je trouve que la narration, elle est, mmh. elle est plus fluide. Et, tout. et aussi, euh, nous, ce qui nous avait plu, c'est aussi un peu la, le lien avec euh, les univers de Keonil ouais. Parce que dans son, bah. dans son trait, dans ses univers, les petites créatures, euh, la magie, les, dragons des truc, zo, les euh... petits dragons, ouais. Ouais. il y a un truc, même, c'est ouvertement assumé. Et, voilà. et les deux auteurs se connaissent d'ailleurs et ce, ce, ce site, ce site ouais. en quatrième de couverture et son troisième son, sa troisième BD les particules infinies euh, on en est hyper fier et euh, c'est vraiment un bonheur de voir une autrice grandir d'année en année et de voir de la voir vraiment prendre confiance dans, dans sa narration et faire des récits de plus en plus euh, de plus en plus ambitieux on l'a vu avec Kay, avec bah, la gardienne des papillons, qui est, son, qui est un récit euh, au long cours, euh, et même sur la trilogie des Dragon T, puisque chaque titre, euh, chaque On volume, prend de est, ouais. c est, c est prendre l'épaisseur et, et mature même aussi dans le trait, etc. Dans, dans les thèmes abordés, c'est très impressionnant. Et là, Wendy, c'est formidable. C'est euh, dans un monde euh, dans un monde futuriste. Ça se passe euh, au 26e siècle sur Mars et euh, une euh, une, une jeune adulte va euh, réalise son rêve elle vient de la Terre et elle vient elle débarque sur Mars pour euh, bosser dans le laboratoire d'une d'une docteur en IA euh, extrêmement renommée et elle va rencontrer euh, son assistant qui est un androïde, euh, l'assistant de cette de cette docteur et euh, ils vont se lier d'amitié et plus et développer une relation euh, qui est hyper intéressante et qui va questionner euh, euh, la conscience, euh, la gentilité des, des, des IA, de qu'est-ce que ça questionne euh, ou commence, ben oui, la, la gentilité d'une un, intelligence artificielle et, sa, et son autonomie et, et à quel point euh, euh, ce robot devient une personne euh, et euh, c'est remarquablement bien écrit, c'est extrêmement recherché notamment sur euh, le sur le, le world building d'avoir un monde un peu utopique euh, genre un peu d'utopie socialiste on va dire euh, post euh, post capitaliste euh, où, euh, où ça interroge justement comment euh, comment on a pu sortir euh, au fil des siècles de de l'ère euh, en gros l'ère des milliardaires <laughs> voilà c'est ce c'est ce qui est raconté un peu dans les livres d'histoire dans ce bouquin c'est ça qui est marrant mmh. il y a le il y a le, 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 le le, le capitalisme tardif l'ère du capitalisme tardif l'ère des milliardaires et, et on passe à quelque chose de de, oui, de, de post-capitaliste quoi et, euh, et c'est hyper intéressant sur euh, sur euh, bah ouais sur l'intelligence artificielle sur les technologies la relation qu'on a aux technologies et euh, mais en y mettant beaucoup beaucoup d'émotions et ça on le voit assez on voit assez peu euh, je, je trouve mmh. euh, notamment sur des récits euh, accessibles euh, à, à des enfants et des ados et euh, pour moi c'est un récit qui qui, euh, qui est euh, qui va toucher euh, tous les âges très honnêtement euh, c'est un récit qui m'a beaucoup ému l'histoire de ces deux personnages euh, et de la relation qu'ils développent est hyper belle et visuellement euh, pareil voir voir une autrice qui euh, grandit visuellement c'est incroyable parce que le particule infini euh, son trait c'est assez assuré. Euh, elle a fait un travail sur une, deux couleurs, sur des tons, un ton de rose et un ton de bleu. Euh, donc euh, tout un titre en, en, en deux couleurs qui est, qui est très très beau. Et pff, enfin on est hyper fier. C'est j'ai vu ce titre et j'ai fait, je compte. Enfin c'est 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 pour ça que je fais ce métier quoi. Ouais. C'est pour voir grandir des autoristes et de et continuer à les publier et croire en elles et croire en eux. Et, et, et là pff, le, le titre est bouleversant et Ouais, c'est un des titres qui m'a le plus touché euh, ces dernières années, honnêtement. Ok, très ouais. bien. Ah, euh, bah, c'est la, la prochaine sortie jeunesse, et on a un autre titre de Keezy Young, qui est une auteurice euh, aussi euh, euh, qui, qui débute, et euh, ce titre s'appellera Taproot, et euh, c'est euh, sur un jardinier euh, qui voit des fantômes. Et euh, c'est très beau. C'est très très beau, et très touchant, et et les libraires ont l'air de, de l'apprécier ouais. Ouais, ça va arriver en juin et, euh, et puis on continue à travailler avec Kay et euh, j'ai trop trop hâte de pouvoir parler, d'avoir le droit de parler de ses prochains projets parce que on va faire des trucs, des trucs trop bien et, euh, et pareil Kay c'est des titres qui s'adressent encore à un public un peu plus âgé donc euh, euh, son prochain sera pff, incroyable Très bien. Bon, j'arrête ton teasing parce que ça va me frustrer. Pardon. Et je euh, suis sûr qu'il qu y a parle beaucoup, hein. des gens qui nous, non, c'est pas ça, mais on peut, on peut pas parce que du coup, tu sais, ah, mais nous, on ne sait pas. Toi. Nous, on ne sait pas et je vais devoir te, te séquestrer après. Et puis je vois, je vois Kay littéralement dans deux jours. Donc, je vais forcément. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais avoir beaucoup, je vais être beaucoup trop tenté de se <laughs> les verres du nez. Mais en tout cas, ça fait quand même un, 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 un chouette programme qui arrive là. Donc, euh, dans les prochains mois. Et puis, euh, bah, voilà, de te, te voir que franchement, euh, tu as quand même réussi, bah, on en parlait un petit peu avant, mais à tenir bon quand même parce que dans une situation, où je suis à peu près certain que pas mal d'autres personnes auraient juste euh, laissé tomber. Euh, je trouve que c'est super cool de, de voir que euh, d'avoir toutes ces promesses, euh, déjà d'avoir pu voir aussi à quel point ben, ce qui était peut-être que un coup d'essai au départ est devenu une, vraiment une force euh, éditoriale de proposition dans ton catalogue, et puis d'avoir aussi, ben voilà, réussi à, à garder tes auteurs maison et les refaire venir en France avec un projet. Euh, qui pour le coup est une forme d'exclusivité mondiale, c'est ça rend super chouette quoi. Donc ouais. Euh, très... retrouver, euh, ouais, retrouver Bad ID, euh, juste, ouais. Euh, ouais, c'est du bonheur ça, je revis quoi. Très très donc très très chaud ouais. pour poursuivre tous ces bouquins qui arriveront chez toi dans les prochains mois et puis on en reparlera bien entendu quand ce sera l'heure de refaire le bilan ensuite 2024-2025. Euh on va pas attendre de nouveau trois ans pour se reparler dans ce podcast, j'espère. Loin de là, loin je peux, de là. Je, peux, je peux dire un mot où t'es es sur la phrase de fin pour finir parce que c'est hyper long. Non non tu peux. Y... Non ouais. mais moi, de toute façon moi j'ai pas de problème de, okay. de longueur mais vas-y okay. vas-y. Okay. Non mais tu disais de, de tenir et de rebondir et tout mais enfin euh, de d'autres gens auraient lâché l'affaire et fait autre chose. Mais euh, après de ma perspective. Hein, il faut, euh, non, non mais en fait le, le truc c'est C'est oui mais je, je suis d'accord avec toi. Mais euh, il faut avoir euh, l'idée ou l'opportunité de, fa de faire autre chose. Et, euh, et c'est toute la difficulté quand as, tu mènes ta barque, c'est que ben, t'es un peu enfermé dans, dans, dans ce truc-là. C'est que si ce truc-là coule, en fait, euh, tu fais quoi Moi, si ce truc-là coule. Oui, mais pas pareil pour moi, hein, techniquement. Hein. Oui. Si tu vois, c'est mes trucs cool en ce moment, je sais pas trop ce que je fais non plus. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est bon c'est le, 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 le truc d'être indépendant. C'est. Moi, Bliss. Bliss était dans une situation très compliquée pendant deux ans, on commence à, à, à s'en sortir, on, on investit, on, on, a, euh, on, est, on est trois maintenant, euh, au lieu de deux, et c'est super. Et on, vraiment, j'y mets toute mon énergie et, et beaucoup d'argent, enfin ce qu'on ce qu peut investir. Mais, euh, mais pendant, pendant quelques années, euh, quelques mois qui se sont transformés quasiment en années, c'était... Euh, je suis enfermé dans cette prison là quoi et tout lâcher oui mais en fait non parce que tout lâcher c'est lâcher toutes les économies de ta vie que tu as mis là dedans c'est lâcher enfin tu vois c'est c'est j'ai un gamin j'ai un gamin à nourrir enfin genre tu vois je fais quoi j'ai pas je suis pas assis sur un tas d'or quoi et et c'est il est bon enfin depuis quelques mois depuis l'année dernière de retrouver un peu c'est-à-dire que cette barque, ça y est, elle peut continuer à avancer sur d'autres trucs et des perspectives et surtout, euh, hopefully, euh, des, des, les moyens de, euh, de les accomplir, mmh. ces trucs. Pas juste de faire des vœux pieux, de dire on va faire ça, et en fait, on n'a pas les moyens humains de le faire, ni financiers. Et là, 2024, l'objectif, ça va être de, de vraiment euh, les accomplir, quoi. Euh, on a notre, nos petites ambitions, quoi. On n'est pas genre on est, on est pas des oufs, hein, mais euh, euh, on. on on va continuer et, on, et on, va, on va faire les 10 ans de bliss, écoute, on va y bah arriver. Oui. À 2026, on va y arriver. Ouais, carrément. Je la, 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 ouais. Le chemin n'est plus très très long à faire. Voilà. Très bien. Bah en tout cas, maintenant je fais ma phrase de conclusion. -y. et... y euh <laughs> le, truc, le truc le plus standard mais en tout cas moi j'étais super content de, de te revoir dans ce podcast et j'espère que le plaisir est partagé et surtout que ça fait plaisir également à euh, celles et ceux qui nous écoutent et on vous rappelle que euh, si vous appréciez euh, ces podcasts et tout le travail qui est fourni derrière il bah, n'y a pas grand chose à faire sinon que de le faire savoir donc partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux parlez-en autour de vous parlez de Bliss à vos libraires soutenez les bouquins quand ils sortent c'est la meilleure chose que vous puissiez nous faire à, à tous les deux et s'il vous reste encore des sous après avoir acheté l'œil d'Odin, euh, eh vous pourrez euh, aller sur notre page Tipeee pour nous permettre de voir euh, l'avenir la, euh, avec sérénité euh, sur notre podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Florent, salut. Salut, le 9 février, le 9 février euh, 25 euros l'œil d'Odin. Euh, Achetez-le parce qu'il est en rupture chez le distributeur. Donc si vous ne l'achetez pas maintenant, vous ne l'aurez peut-être pas avant quelques mois et qu'on le réimprimera si on doit le réimprimer, mais peut-être pas. Voilà, meilleur ending de podcast. <laughs>